connaît les secrets des murs. La sueur et le ciment ne lui font pas peur. Et avec lui, la maison pousse le long d'un fil à plomb. Passion, ça rime avec maçon. Eh bien voilà, mon métier c'est maçon. Le métier de maçon consiste à arriver sur un terrain vague. Et puis, suivant les plans, on bâtit une maison. On réalise les rêves des gens. Il y a un architecte qui vient toutes les semaines. Il regarde si le travail est bien fait. Et bon, c'est jusqu'au bout du bâtiment comme ça. Le matin, nous arrivons sur chantier et on commence à maçonner les murs. Il faut faire un maximum parce qu'il y a autant de mètres carrés à faire par homme par jour. Ça doit être fait parce qu'il y a des comptes à rendre au patron. Ça. Donc pour devenir maçon, bah, il faut aller à l'école, il faut apprendre. Il y a 5 ans d'années à faire dans les maçonneries. Il n'y a pas de formation d'entreprise à l'époque. Maintenant, il en existe. Et c'est très bien pour les jeunes d'ailleurs. Il y en a qui reviennent plusieurs fois dans notre entreprise, dans notre équipe. Et puis on voit l'évolution d'année en année. Et ça améliore jusqu'à la fin. Hein, ça. Et on s'améliorera toujours, même moi. Pour un bon état d'avancement d'un chantier, il faut une bonne ambiance. Donc, tous les hommes doivent bien s'entendre, autrement, ça ne va pas. C'est la bonne ambiance qui fait tout. Donc, chaque maçon a son outillage, sa truelle. Et puis, on a l'habitude avec nos outils. Le poids, par exemple, où il y en a qui nettoient mieux leur truelle que d'autres. Si le niveau de l'autre est faussé, que le mur n'est pas droit, on est responsable. Il vaut mieux travailler avec son propre niveau. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est de pouvoir bâtir et faire des maisons qui seront pour les autres plus tard. Et on laisse une trace de notre passage sur la terre. Mon métier, c'est ma vie. Salut !